Allez, c'est parti, jour 2. L'infophile, on commence avec une petite faisan de taille que j'ai fait dernièrement. En coloris, là on est sur du bing noir et encore vert olive. Avec du cuivre un petit peu pour ajouter un peu de poids. Et billes de cuivre aussi, vraiment parce que les eaux transparentes, ça a souvent besoin de billes de cuivre. Donc là on met les polas parce que c'est hyper important de démarrer avec les polas parce qu'elles peuvent être juste devant nous. Donc ensuite on fait attention en descendant. On y va progressivement. Là on va essayer de gratter directement les gros courants un peu plus loin. Ah, je fais la fumée. Oh, des gros, oh non, j'ai raté. Ah, je l'ai vu gober. Dommage, une petite rutelle, les gars. La première de rater. Ah, dommage. Ah, vu quasiment. Je savais qu'il y en avait une là, c'était obligé. Ah, je l'ai vu taper dans la mer carrément. En plus, là, j'avoue que c'est un peu chaud. Pas facile. Il y a un petit coup là avec des cailloux et un autre sans cailloux entre les deux. Ah, je suis peut-être allé un peu vite.
Ouais, c'est parti les gars, changement de technique, on est passé au leurre. Je faisais rien du tout à la mouche, je trouvais ça trop bizarre. Ah, super, je me tape une branche maintenant. Ok. Donc je disais, on est passé au leurre, parce que je faisais absolument rien à la mouche. Alors je voulais voir s'il y avait de la truite active au leurre. Là, je vais commencer au leurre souple. Je passerai du PN, de la cuillère. En tout cas là je suis sur des spots à mon avis qui sont pas pêchés depuis des années. Parce que le parcours est très ancien apparemment ici on m'a dit. Loupé. Oh, poisson! Les gars, je l'ai truite! Oh, décroché, je m'en doutais. Dommage, magnifique. Elle était magnifique, les gars. Elle faisait plus de 25. Ah, je savais bien qu'il y avait de la grosse perle en descendant. C'était obligé. Ah, les boules. Dommage, bien joué. Magnifique. Elle était vraiment d'une beauté. Oh, la frappe, quoi. Et puis le long de la berge. Elle est sortie de la berge et boum. Et je m'en doutais qu'elle avait mal tapé une sparde. Ouais, déjà c'est cool. Ça commence bien. Ça me plaît. Ah les gars, j'ai pas allumé la caméra. Je me suis dit, oh je l'allume pas, je garde un peu de batterie pour soir. Et petite truite. Ah, j'ai reçu la décro juste dans l'épuisette. C'est refait, on va pouvoir faire une petite photo bien sympa, cette fois j'ai le téléphone qui a de la batterie. Mais regardez-moi ça. Magnifique truite de corase les gars. Allez, petite photo et ça repart. Au petit LS de chez Ketek, le petit swing up, le petit Easy Shiner. Allez, troisième truite les gars. C'est parti, on est parti pour les enchaîner. Un petit peu plus grosse, ça commence à compter, c'est cool. Jolie cartouche. Toujours petit Ketek Easy Shiner, je trouve un coloris que j'ai acheté derrière moi. J'ai dit, je suis sûr qu'il va bien marcher, bah pas de problème, des cartons de fou. Petite photo et ça repart. C'est cool, on va les enchaîner en direct. Bon les gars, je sais pas si j'ai filmé la touche ou quoi, mais troisième poisson, un petit peu plus grand encore. Magnifique touche, je savais bien qu'il y en avait une, je vais vous montrer le spot. Juste là, en fait, il y a un trou. Bougez pas, j'essaie de tirer les pieds comme je peux. Et merci de mon capri, c'est pas grave. Donc là en fait, ici il y a un endroit, il y a un trou et elle était juste dessous en fait. Elle a tourné la bouche. Et du coup, bah premier coup de leur souple et boum, truite. Un joli poisson. Petite photo et ça repart. Ah les gars, quatrième truite. Putain, on dirait qu'on a trouvé le pater. Oh, le gobage. J'ai vu carrément gobé devant moi. Quoi. J'ai pas vu ce qu'elle a gobé, mais j'ai vu une truite ouvrir la gueule en surface. C'est super joli. Oh, des crocs, je m'en étais.
Un texte surprise. Oui.